La première impression lorsqu'on monte à bord de la Focus ST, c'est que l'on entre de plein pied dans le domaine de la sportivité. La seconde impression, ce sont les qualités dynamiques de la voiture. Précision, rigidité, rigueur sont les mots qui viennent à l'esprit lors des premiers tours de roue. Et puis, il y a le son. Grâce au système sonore actif, une membrane agissant à l'intérieur d'un boîtier spécifique, les bruits d'admission pénètrent dans l'habitacle à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Ils sont filtrés à vitesse stabilisée. La direction est précise, le train avant incisif, la rigidité impressionnante. On est aux commandes d'une voiture d'exception, dans le droit fil d'une tradition déjà ancienne, celle des RS et autres Cosworth, qui ont toujours été les meilleures berlines sportives de leur génération. Les freins sont mordants et endurants, les performances impressionnantes, la ST accélère de 0 à 100 en 6,8. Il faut ausculter la ST pour mieux comprendre ce qu'elle cache sous sa robe à la fois élégante et agressive. L'empreinte au sol de la Focus a été augmentée, sa caisse rabaissée. Grâce à un empattement important et à ses roues de 18 pouces, la voiture semble rivée au sol. L'impression de sportivité mais aussi de sécurité est immédiate. À l'avant, on remarque la grille de calandre façon nid d'abeille, l'intégration des phares Big Xenon disponibles en option, ainsi que le design du bouclier spécifique. L'ensemble évoque à la fois la robustesse et le caractère. Les rappels de clignotants dans les rétroviseurs, les teintes spécifiques qui habillent la ST, ainsi que tous les appendices aérodynamiques à la fois discrets et évocateurs, contribuent à un ensemble particulièrement réussi, souligné par la double sortie d'échappement chromée. Derrière les pneus Continental spécifiquement créés pour la voiture, on trouve des freins de grande dimension équipés de l'ABS, d'un répartiteur de freinage EBD et d'un amplificateur EBA. Le moteur est un 5 cylindres turbo de 2,5 litres. Il développe une puissance de 225 chevaux à 6000 tours et délivre un couple de 320 Nm entre 1600 et 4000 tours minute. Associé à une boîte à 6 rapports précise et rapide, il annonce une vitesse maxi supérieure à 240 km/h. On le voit, l'habillage intérieur de la Focus ST n'est pas en reste. L'instrumentation très complète donne immédiatement accès à toutes les commandes, comme celle de la boîte discrètement éclairée ou encore l'ESP déconnectable. Les sièges signés Recaro apportent eux aussi leur touche de sportivité. Grâce à leur maintien latéral exceptionnel, ils contribuent au confort de la ST. Ils existent en cuir ou en tissu, rappelant la teinte de la carrosserie. Il faudrait encore citer les commandes vocales, la technologie Bluetooth embarquée permettant la commande main libre du téléphone ou encore le système audio Sony CD MP3, mais la liste des équipements de série ou en option de l'AST est longue. Nous avons préféré confier la voiture à un pilote, un vrai Paul Belmondo, pour un test sans complaisance sur le circuit de Dijon.